Un petit coucou donc aussi à Guillaume pour tout ce qu'il fait au niveau de son foot en salle, Foot in Five. Le projet de Guillaume, je le trouve très bien parce qu'il s'inscrit dans une volonté justement d'innovation. Je suis vraiment en admiration pour le Foot in Five. Je kiffe grave ce qu'ils ont fait. Ma présence ici, elle est obligatoire. J'ai venu fin de saison dernière, je crois. J'avais joué un petit peu. Et ben on voit que voilà, c'est une belle organisation, un beau complexe. Foot in Five, belle structure, bon accueil, super beau terrain, magnifique, rien à dire. Tu peux jouer en été comme en hiver, c'est pas cher, tu peux venir en famille. Quand on a un petit peu de temps libre, c'est bien pour entendre, se déplacer, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir à tous les jeunes. Même à nous, on passe du bon temps, donc voilà, c'est cool. On est très content d'être là. C'est festif et l'essentiel, c'est de partager un moment avec les jeunes et de leur donner un peu de lumière, de baume au cœur et d'envie. C'est un super centre, on est reçu vraiment en très bonne condition. Moi je trouve que c'est une démarche très 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 bonne démarche pour les jeunes. Ça permet de se retrouver et de pouvoir faire du foot dans un endroit facile d'accès et venir avec le monde de potes et passer du bon temps. On connaît les vertus du sport et je pense que c'est très important pour une ville d'avoir un faille. Je suis mieux que toi, Boudin. Oui, mais à quelle vitesse tu dis pas que j'ai cru, mais que voilà, c'est bon. La tête d'ici, elle a touché. Je t'ai vu jouer, Boudin. On l'a dit, je t'ai vu jouer. Non, tu jouais, hé, les gars. Les gars, la balle. La balle. Mais non. Ah, vous mettez tous en défense, vous laissez vous faire devant, 5-5. Je dois fréquenter que les filles de 50 ans, car les plus jeunes pensent qu'à l'argent. Mais non. Je dois pas regarder, mais surtout pas toucher. Lorsque les filles viennent me taquiner, maman m'a dit, laisse-les tomber. Mais non. Mais non. T'as pas besoin de courir beaucoup, juste un peu de technique. Mais non. Faut pas insister, on ne doit pas me tenter. Mais non. Mais non. Merci le Five d'Épinay de nous accueillir ici. Le Foot in Five. Le Foot in Five. Excuse-moi, je parle pas anglais. Foot in Five, c'est la première fois où moi je viens. Je crois qu'ils étaient déjà venus les autres. Mais très bonne expérience. On a fait kiffer les petits. Ils ont crié quand ils nous ont vus. Ça nous a fait plaisir. Ça leur a fait plaisir. On reviendra s'il le faut avec plaisir. Non, mais c'est bien de faire du Foot 5 sur des terrains synthétiques nouvelle génération parce que. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une forte demande, non seulement de la part des sportifs, mais aussi de Monsieur Tout-le-Monde.
entre midi et deux au niveau des entreprises où après le travail, les gens ont besoin de se dépenser et donc c'est un retour au sport et pour moi c'est très très bien. Juste un petit mot pour Foot In 5. Franchement, Foot In 5 c'est de la balle et si tu veux avoir la fièvre de Foot In 5, viens à Foot In 5 à Épinay. Ça va être le kiff, je te jure le kiff, un truc de ouf. Foot In 5, faut venir en ami, en pote. Vous venez à 10, hey, c'est un gamin. Coupez, on l'a refait, coupez. Silence, ça tourne. Ça tourne. Action. Foot In 5, c'est de la balle. Coupez. Foot In 5, c'est de la balle. Il y a de la bouffe, il y a du foot. C'est bon, allez, allez, ah, mais... pourri, on la garde. Merci de nous avoir accueillis, Foot In 5. 5, ouais, faut faire 5. Faut faire 5. C'est des mini doigts. C'est bien que les jeunes puissent se donner comme ça et il y a un petit peu moins de violence, je pense, vu que le terrain s'y prête moins et j'espère que ça va très bien se passer pour lui et tout ce qu'il entreprend. T'inquiète, Foot In 5, Foot In 5, t'inquiète, voilà, t'inquiète.